À l'époque, on ne pouvait pas quantifier même le nombre de poissons. Ce n'était pas possible qu'un pêcheur rentre aujourd'hui. Ça a complètement changé. Les stocks s'effondrent, les espèces disparaissent. C'est la première fois que je vois au Sénégal des pirogues qu'on a écrites à vendre. À vendre. La pêche est difficile pour ces pêcheurs artisanaux. Les poissons sont de moins en moins nombreux et la concurrence est féroce. C'est eux, c'est les Européens, c'est les Asiatiques. C'est eux qui appauvrissent l'Afrique. C'est eux qui volent les poissons africains. C'est un désastre environnemental parce que les espèces ne sont pas protégées, elles ne sont pas régénérées, elles sont enlevées et elles sont emportées dans d'autres régions du monde. Le problème, ce n'est pas l'État qui va les régler de cette façon. C'est à nous de les régler. Parce que c'est à nous qu'on attaque. La pêche traverse une crise en prévention. C'est pas seulement le poisson qui disparaît, mais c'est une partie des Sénégalais qui disparaît. Les candidats à l'immigration sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance de ce côté-là de l'Atlantique. Wherever you are from, do not come to Europe. Do not believe the smugglers. Do not risk your life and your money. It is all for nothing. Il y a eu toujours l'esclavage avant. Après l'esclavage, ils ont parlé de colonisation. Après, ils ont essayé de parler d'indépendance. Mais on n'est pas indépendant.